Genre, potasse pour moi, vous êtes prêts? Boum! Hey Jordan, Dave Philippe. Salut, comment tu vas? La forme ou quoi? Je t'en prie, présente-toi. Jordan Bonilori, 25 ans, joueur du Phoenix Toulouse Handball. Philippe Gardan, entraîneur, ancien joueur, ancien international de hand, ancien capitaine des Bargeaux. C'est aussi la première fois qu'une équipe de France devient championne du monde dans un sport collectif. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? J'ai fait de la country, gros. Ah, c'est plus de la muscu, hein. Qu'est-ce que tu fais là, poulet? C'est ça qu'il faut faire. Tu danses, on dit une danse. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu les règles du sport? Alors, le handball, c'est un jeu qui joue à 7. Et après, il y a deux cages, prendre la balle, le but, tirer dedans. Voilà. En fait, c'est tout simple. Ah, merde. Oh, j'ai foncé comme un débile. Mais oui. Putain. 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 Un dernier. T'as pas marre de faire des burpees, gros? Mesure 1m65. Ouais, plus dans les 2m13. Ah, ouais. C'est presque pareil. Donc tu fais du handball, c'est ça? Handball. On va pas bien s'entendre si tu dis handball. Qu'est-ce que tu vas me faire si je dis handball? Je vais te mettre au cage et on va pouvoir te tirer dessus si tu veux. Bon, ça va être tranquille, non? Oh. Alors, il paraît que tu as commenté la finale de handball. Non, je rigole. C'est quelle... fini, Philippe. Quelle génération. C'est énorme. Et alors l'ambiance c'était comment? Ah, c'était top. 2-1, c'est terminé. L'équipe de France accroche une 6ème étoile sur le maillot. Là on va du coup tirer à poste d'ailier gauche, c'est les postes qui sont sur l'extérieur du terrain. Belle. Oh putain, poteau. Oui. Allié gauche, ok. Ton poste, c'était quoi? Moi, je suis pivot. Je suis à l'intérieur de la défense adverse. Je mets des coups et je prends des coups. Le bourrin de l'équipe. Vas-y, pousse-les, gros. Bats-toi, allez. Encore. Oui. Allez, vas-y, gros. Tourne-toi. Oui. Et comment s'est passé l'après-victoire? On a été sages. On a été sages. On s'est couché qu'à 5-6 heures du matin. Oh, ça. Donc on a été sages. Petite nuit. Ouais. Là, on va tirer au poste derrière. Après, ailier, on passe arrière. Tous les mecs, ils sont là pour shooter de loin. Et souvent, ils font 2m8. Souvent, ils sont grands. Allez, Thibaut, tu fais pareil. Oh! On était quand même réputé pour une équipe qui était assez festive, tu vois. On a le métal ! On a le métal ! Les cheveux teints en blond et tout, toi. Et le hand est né là, sachant aussi qu'on bossait beaucoup, quoi, toi. Tout en faisant les cons, quoi. Ouais. Oh ! Dans les couilles. Mais les vieux, nous, hein, les Bargeaux, tu sais, c'est la première équipe qui a été championne du monde. Grand public pense que c'est le foot parce que le foot écrase un petit peu tout, mais le hand existe, quoi. Et de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus, hein, je pense qu'on a comme 6 étoiles maintenant, hein, donc c'est quand même pas rien. Ok, prochain demi-centre. Là, les joueurs demi-centre, il y a un peu de tout, il y a des grands, des petits, des comme toi. Quoi, tu es petit, tu regardes. Non. 3 points. Transformation, les gens. Laissez marquer, s'il te plaît, c'est bien pour la journée. Oh. Et du coup, est-ce que t'as remarqué qu'il y avait une sorte d'engouement dans ce sport? Bah, surtout depuis les 10-15 dernières années, les gens regardent de plus en plus le handball. Donc là, on va shooter pivot, le poste un peu ingrat, où t'es au milieu de la défense, tu te fais pousser dans tous les sens, on l'a vu tout à l'heure. Je m'en souviens. Échec. Du coup, quand t'étais joueur, t'avais quel style de jeu toi à peu près? Ça se voit, moi j'étais un joueur hyper félin. Discret, très agile. Très agile. Non, j'étais un véritable bourrin.
On a parlé de Jackson qui était lui un joueur talentueux, toi, avec beaucoup de grâce. Toi. Une échappée de Jackson Richardson, élu le meilleur joueur du mondial et de l'année. Après, t'as les besogneux. Les rustres, les. Tu vois mon nez, tu vois mes doigts, mes coudes. J'ai un peu cabossé de partout, mais par contre, je m'y filais. Quoi. Mettais la tête où personne mettait la main. Alors, c'était pas forcément avec grâce, si tu veux, mais c'était assez efficace. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait les jets de 7 mètres. Les jets de 7 mètres. Exactement. Tu nous montres? Allez. Oh putain! Oh! Pour vous les gens, pour vous! Du coup, est-ce que c'est un sport où il y a vraiment du contact ou pas? On va dire que c'est. Ou c'est plutôt doux, c'est pas comme le basket, parce que le basket, tu fais ça, il y a faute. Ceux qui vont du basket, ils vont nous détester! Non, mais j'ai déjà mis dans le basket, je les charrie un peu, mais beaucoup de contact. Pas autant que le rugby, on y approche et il faut vraiment être préparé physiquement. Pour... On a réussi à persuader tous les internationaux de faire 2 heures de musculation par semaine. Il y a une prépa physique avec la muscu, etc. Ouais, ouais, tout à fait. 2 voire 3 séances de muscu dans la semaine. De passe. Allez, contact. Oh. Le dos. Ok. Oh, j'ai le McDo qui regarde. Petite mine. Alors c'est un plaisir. Que t'aurais des souvenirs à nous faire partager? J'en ai plein, mais elles sont pas trop racontable. C'est pas tant mieux. Par exemple, Jackson Richardson, je sais pas si ça te parle. On se renseignera. Ah oui. Jackson Richardson. Tu connais pas. Jackson, Jackie. Ouais, Jackson Richardson qui est quand même la star du handball français. Il reste 20 secondes pour que la France égalise. Jackson Richardson. Cet homme est divin. Cet homme est sûr. C'est un garçon qui aime bien un petit peu faire la fête et tout ça. Un matin, il rentre de boîte, toi. 6h, 7h du matin, toi, il prend l'ascenseur et il rencontre le sélectionneur national. Le sélectionneur national, si tu veux, était vachement surpris en disant « Putain, Jackson, t'es le premier au petit-déj. » En fait, il savait pas que l'autre, il rentrait de boîte. Ouais, hein. Il devait être frais. Il était pas tout neuf. Vas-y, Kondo. Oh là 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 là. Oh. Ah, t'as cadré déjà, Thibaut et le jeu collectif. Là, tu fais plaisir, poulet. Et du coup, t'as une alimentation précise ou pas? 5 repas par jour, tu dois connaître. Oui. Protéines. Moi, j'aimerais bien savoir combien tu pèses. Là, je fais 115 kg et l'année dernière, j'étais à 126. Ah ouais. Bon bébé, comme on dit. Voilà, après on a fait les cons un peu à droite à gauche. On a eu Costantini aussi qui était l'entraîneur de l'équipe de France qui disait que dans 20 ans on retrouvera une super équipe de waterpolo. Parce qu'en fait les handballeurs fréquentaient les nageuses de synchroniser. Le mélange. Du coup le mélange a fait une super équipe de waterpolo. Alors dis-moi tout ça à quoi ça? C'est la vaseline, c'est ça? Tu veux essayer? Bah c'est parti hein. Ça sert à prendre la balle en fait. Donc j'en mets un peu sur les doigts. Vas-y, t'en peux un peu, pas trop. Comme ça? Ouais, sur les bouts des doigts, toi. Comme ça. Ok. Tu la tripotes un peu là, tu vois. Ouais, comme une paire de molles. Serre-la bien. Voilà. Ah, ça colle vraiment bien, d'accord. Et voilà, même en compète et tout, ils ont ça surtout aussi. C'est nouveau, ta colle ou c'est. Non, c'est ancestral. C'est juste pour, tu sais, pour maîtriser vraiment ton geste, d'être précis. Du coup, t'es pro, c'est ça? Ouais, je suis professionnel. Ouais, c'est ton métier. C'est mon métier. Je suis payé pour faire ma passion. Et du coup, est-ce qu'on peut vivre de ce métier aujourd'hui ou pas? Ah oui, on peut totalement vivre de ce métier. 4000 ou 5000 euros par an. D'accord, ok. Payer le riz, payer la dinde et la muscu, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est le plus important. Allez, va tirer. Oh là. Hop, par l'opposé. Voilà. Après les victoires, est-ce que vous faites la fête un petit peu ou pas? Non, au niveau du handball, on est très très simple. Pas d'apéro après Non, notre shaker de protéines. Oh, bah, c'est encore mieux, parfait. Non, ça arrive de temps en temps. Tranquille, hein. Il est dedans là. Et du coup, est-ce que les Français sont forts dans ce sport ou pas? Je sais pas, il me semble qu'ils sont juste 6 fois champions du monde, 2 fois champions olympiques, 3 ou 4 fois champions d'Europe. Bon, ils se débrouillent. Ouais, ils sont... Ça passe quoi. Ils sont moyens. Ah, c'était vraiment des machines. Ouais, ça va, ils sont très très forts. 70. Ouf. Et
du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de petites dans ce sport? Il y a pas mal de petites, ouais, effectivement, mais bon, moi j'ai ma propre petite. Oh! Ouais! Allez! Pour les abonnés! Les abonnés, je les aime bien, mais bon, aujourd'hui c'est. Ah ok! Juste une question plus personnelle, combien mesure ta copine? Ah, 1m62. Ah ouais? Hey, non! Et du coup, comment ça se passe? Dans le lit. Ah, ça non, ça sera pas au montage. T'inquiète. Non, non, ça va. Fais de confiance. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pour vous, les gens, pouce bleu. Et du coup, toi, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le handball? Bah tout, ma vie, mon métier, mes amis, toute ma vie, hein. Le handball m'a apporté toute ma vie, donc j'essaie maintenant de rendre ce que ça m'a donné et d'essayer de transmettre toutes ces belles valeurs qu'on a eues. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Ouais, vous êtes nombreux à écouter Thibaut, donc venez nombreux aussi à venir voir les matchs, surtout au Phoenix parce que le hand est un beau sport, ça gagne, et c'est frais, et c'est plein de bonnes valeurs. C'est des valeurs ancestrales qui se transmettent, mais c'est toujours des valeurs, et donc faut venir parce qu'on s'éclate bien ici. Quoi. Je te remercie en tout cas. Avec plaisir. Magnifique, ouais. Je te remercie, super. Et surtout n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boum. Ben moi je voulais savoir si c'était possible de voir en live ce que ça donne, quoi, si tu pouvais enlever ton t-shirt. 1, 2...